Alors, un conseil pour accélérer le rythme de la cérémonie, si vous montez sur scène ce soir, ne remerciez pas vos parents. Non, soyons honnêtes. S'ils vous avaient véritablement élevé avec attention, s'ils vous avaient donné tout l'amour que vous méritiez vraiment, vous ne seriez pas dans le cinéma. Il n'y a pas l'enveloppe. C'est normal, on te l'a pas mise, oui. Vanessa. Pourquoi? Bah parce que, bah, voilà, on sait bien que de toute façon, tu vas dire le nom que tu veux, donc... Mais c'était il y a longtemps, j'ai mûri, tu sais, j'ai... Ok, je vais chercher une enveloppe, mais je vais rester près de toi. Attends, dis-moi à l'oreille, Eh ben non, tu vois, tu... Non, lis bien tous les mots et dis-moi qu'est-ce... Ah. Voilà, dis-lui. C'est Jacques Audiard pour le prophète. Le premier film, c'est toujours un... Non, lâchez-moi, je vous dis, laissez-moi passer, je vais leur parler, lâchez-moi. J'étais chez moi, devant la télé, je me suis dit, c'est trop con, vas-y, Dany. Et voilà, je suis là. Ouais. Excusez mon allure, hein. C'est pas que j'ai pas eu le temps de m'habiller. C'est pas que j'ai pas eu le temps de m'habiller, c'est mon smoking des Césars. C'est quand je l'ai acheté au magasin, ils m'ont dit, Monsieur Boone, franchement, c'est pas la peine qu'on vous vende le bas, vous l'aurez jamais le César. Donc, hein, vous les comiques, vous restez tout le temps assis, autant rester assis à l'aise, et voilà. Bon, je voudrais dire toute la vérité sur cette polémique. Il y a une vérité, voilà. Sérieusement, pardon, mais en fait, c'est mon conseiller en communication qui m'a monté le bourrichon. Jacques Séguéla qui m'a dit, si à 40 ans, t'as pas un César, c'est que t'as raté ta vie. Tiens, prends ton pognon, connard, et casse-toi avec ta bande de baltringues, je peux plus jamais vous voir. Gérard, pourquoi tu me parles toujours mal comme ça? Non, parce que finalement, c'est un peu comme si tu disais exactement le contraire de ce que tu penses. Tu as peur de ce que tu ressens pour moi? Bah voilà, tu vois, c'est ça le cinéma français que j'aime. Un cinéma qui se fait des câlins. T'es venu avec ton gun? Ma chère Kate, Katie, Kitty, Kitty Cat. My sweet Kekette. Il n'est jamais trop tard pour gagner un César. It's never too late to win a César. Car Kate les bat toutes au finish. Because Kate wins late. Parce que moi, je connais le Xavier Beauvois, hein, des hommes et des dieux. Je n'ai rien contre lui personnellement. Hein. Mais ça ressemble plus à un documentaire tibérine que... Et c'est pas par rapport à toi, Xavier. Hein. Et Johann Sfar, Gainsbourg. Je respecte pour Gainsbourg, hein, c'est pas... François, si on pouvait maintenant remettre le César... Je vais le faire, Antoine. Oui, merci. Toi, tu es payé, moi pas, hein. C'est pas une raison. Pour les nommer dans cette catégorie, meilleur acteur dans un second rôle. Jamel Debbouze dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. À toi. Allez. Merci. 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 Merci infiniment. Sincèrement, ça me fait kiffer. Je peux pas vous dire... ce César, comme ça, je m'y attendais pas du tout. Non, Jamel. Et puis là, ça tombe, c'est la consécration, quoi, en quelque Jamel. Sorte. C'est bon, je suis consécramé. Jamel. C'est pas... Là, c'est super aussi, mais c'est juste, en fait... J'ai pas encore fini d'ouvrir l'enveloppe. Mais exactement, juste... exactement. C'est... Je continue. Mais donc, non, je attendez, voulais, non, parce avant, que... juste, je voulais remercier tout le monde. C'est le plus beau jour de ma vie. Mais non, c'est... avec le jour où j'étais au champ avec mon père. Elle est où, Pépita, tu sais, le... Pépita. Il est où notre... Mais c'est bien aussi, mais c'est les nominations, non, si, mais c'est bien même, aussi. Ça fait plaisir, tu peux me donner mon truc, s'il te plaît. Le César est attribué à André Dussolier. Je vous rappelle le jeu. André Dussolier doit récupérer son César qui peut être n'importe où dans la salle. Ah bah il est pas...
Non, mais c'est vrai, par exemple, l'année dernière, meilleure actrice, vous vous souvenez de qui était nommée? Non. Par contre, vous vous souvenez très bien de qui l'a eu. Bérénice Bejo. Pardon? Bérénice Bejo. Non, c'est moi qui l'ai eu. Non, c'est Bérénice Bejo dans The Artist. Mais non, c'est Dujardin dans The Artist. Listen to me, hey baby. You fuck, you kill, you fuck and you kill my wife. What a motherfucker? I'm gonna kill you, doggy. Pam. Bonsoir, Florence. Hein? Je dis bonsoir. Non, pas bonsoir, s'il te plaît. Ah, pardon. C'est pas là. Enfin, je veux dire, c'est pas écrit dans le scénario, donc tu es gentil. Pardon. Florence, naturelle. Un scénario, c'est la clé de voûte de l'édifice cinématographique. Le public est conquis par sa verve. Dustin Hoffman, lui, semble se dire « Bon sang de bonsoir, ce petit bout de bonne femme me rappelle moins à son âge. » Soudain, Florence découvre que Sean Penn est assis au premier rang. Quoi ? Oh, Sean Penn est assis au premier rang ! Il est irrésistiblement attiré par la jeune comédienne. N'y tenant plus, il se précipite sur scène pour la rejoindre. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Cauchemar. Calme-toi. Cérémonie dans un mois, je suis pas prêt. Faut qu'on arrête de faire l'amour tout le temps comme ça. Faut que je bosse. Pour la première année consécutive, l'Académie des Césars va donner un César aux acteurs de second plan. Dans la catégorie César du meilleur acteur de second plan, les nommés sont Valérie Douville pour Stand By. Hervé Giacomo pour Harry, un ami qui vous veut du bien. Christophe Legendre pour Le goût des autres. Et Fabrice Firmin pour Saint-Cyr. Le César est attribué à... Christophe Legendre, pour Le goût des autres. Bravo Christophe. Évidemment, j'ai juste envie de remercier le casting Figuration, directeur Laurent Soulet, qui a eu l'audace de me confier ce rôle, alors que, comme vous avez pu le voir dans cet extrait, bah, physiquement, bon, je ne correspondais pas du tout. Merci. À Bernard Lecoq, dans ses souvenirs de belles choses. Bernard n'est pas là, il joue au théâtre. Vous avez bien fait, vraiment, vous avez bien fait. Merde, il est là, lui. Je veux pas foutre la merde. Je suis venu en toute amitié. Je vais pas rester très longtemps. Je vais pas repartir comme l'année dernière avec le César. Excuse-moi, Zabou, avec tout le respect que j'ai pour ton comédien. Vas-y. J'ai fait faire un costard chez Smalto sur mesure. J'étais sûr et certain de l'avoir. Au moins, passe le gars, je peux faire un gros plan sur les revers. C'est pas du revers, ça, franchement. I'm so glad. Je suis Marie-Michèle Bourda. Je suis présidente du fan club des Tutsis de France. Au nom de toutes les femmes dont les canons de beauté ne correspondent pas à la norme, merci, merci d'avoir donné la parole aux femmes d'âge mûr ne recourant pas aux paillettes de la chirurgie esthétique comme c'est trop souvent le cas dans votre profession. Mesdames, soyez vous-mêmes. Et si vous n'y arrivez pas, il y a peut-être une autre solution. Être un homme. Merci, monsieur. Le scénario, c'est la colonne vertébrale d'un film. Et la moelle épinière, et les acteurs qui sont la moelle épinière
que sans la colonne vertébrale, cette la moelle épinière que sont les acteurs ne saurait pas où se situer. Pour remettre le César des meilleurs costumes. I am the French Sigourney Weaver. There is absolutely no problem about it. It's people like you. It's very good. It's Paris Panam, and it's okay. Yes. I like that. It's French cinema, and people say, Sigourney Weaver. Oui. Ah, Edouard Baird. Ah, like they seem to have the same face, same dancing atmosphere. Okay. Okay. Je comprends le français. Ça va. Tant pis. Alors. Écoutez, I am with Sigourney Weaver at my right. Alors écoutez-moi, très simplement, moi j'avais des noms, je pense que quelqu'un a gagné, vous savez comment ça fonctionne, ça fait 25 ans, il serait temps. Donc il y a des noms, tout le monde a un peu gagné, mais l'un a plus gagné que les autres. Some people say, yeah, some people say, well, more or less, carrière américaine dans les 2 ans pour moi. J'encule le cinéma français et je les baise avec leurs films de merde. Merci François. Il est drôle, il est tendre, il est émouvant. C'est une boule d'énergie et de bonne humeur. Kad Merad. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Juste, je sais, je suis pas nominé, pas la peine de faire la... Juste comme je crois qu'il y a un problème avec Eric Cantona, il s'embrouille avec Patrice Carmousse dans les. Ouais, faire toute seule. Ben non, pourquoi okay. Elle va le faire toute seule? C'est pas bien ça. Non, ça va. Pourquoi? C'est pas, va s'ennuyer toute seule. Non, non. Pardon. Faut pas, vous allez pas le faire toute seule quand même. Je vais pas te manger la culotte, hein, de toute façon. T'as vu les yeux de fou qu'elle a? You have the eyes squeezy, the squeezy eyes. Thank you. Comment te dire, je vais lui parler un peu. vos yeux sont aussi rapides que les yeux d'un oiseau. Merci, c'est gentil. C'est mignon. Jamel. Et vos cheveux, la coupe qu'elle a. Et vos cheveux sont aussi espiègles que les cheveux d'un oiseau. Oui, Jamel. S'il vous plaît. Oui. Jamel. C'est possible. Jamel. Ah ouais, vas-y. Elle ne parle pas très bien français. J'ai bien compris, tu prends pour un imbécile. Ouais, ça, c'est encore le voisin, il se met tout le temps là. Non, mais il est persuadé que c'est son parking, alors. Ah, mais enfin, Gérard. Pardon. Ça te dérange pas, Patrick Juvet, tu veux un café? Mais je suis pas Patrick Juvet. Non, mais c'est lourd, toi. Viens là. J'étais garé rue de... J'étais au téléphone, garé, avec Gérard, voilà. Bonsoir. Avant toute chose, je suis très honorée de remettre le César du meilleur court-métrage. Je voulais tout particulièrement remercier l'Académie des Césars d'avoir pensé à moi pour remettre ce prix, car ayant participé à plus... Thank you. Oui, Président. Oui, le Président me demande si vous pourriez faire un petit peu plus bref, s'il vous plaît. C'est trop long. Oui. Ah ouais. Bah oui. Jamel, lui, il sait, hein. Et sa petite femme aussi, à mon avis, hein. Quand c'est long, quand c'est trop long, quand c'est pas marrant. On l'a vu, ton speech, au début, hein. Tu sais, moi, la dame à côté de moi, ce qu'elle a dit. Et elle avait raison. Jamel, c'est toujours la même chose. Je vais partir, mais juste avant.
Big up aux members.